Bonjour tout le monde, les amis, la famille. Alors j'espère que aujourd'hui vous avez le cœur bien accroché, hein, puisque on va descendre encore plus profond dans les profondeurs de la bêtise humaine. Je suis tombé là-dessus en fait ce matin, donc en faisant des recherches par hasard. Bon, c'est un truc qui date du 15 septembre 2018, hein, l'article, hein. Mais je suis tombé sur la vidéo. Alors, c'est la mairie de Paris qui a voulu faire un clip, enfin qui a osé faire un clip, justement, soi-disant pour lutter contre les pipis sauvages, hein. L'article s'intitule Pas pipi dans Paris, le clip de la mairie qui ne passe pas inaperçu. Et alors là, on peut voir une photo bah, qui parle d'elle-même, hein, une image du clip qui parle d'elle-même, quoi. Regardez le niveau! Alors, la mairie de la capitale a commandé une vidéo à une humoriste pour dénoncer les pipis sauvages dans les rues de la ville. Le résultat est décalé. Une robe entièrement constituée de PQ, des ralentis audacieux sur les gens, très pressés d'aller aux toilettes, et des vocalises dans la cuvette. On ne compte plus les éléments improbables de la dernière campagne de communication de la mairie de Paris. Cette vidéo, co-réalisée par l'humoriste et blogueuse Swan Périssé, est destinée à lutter contre les nombreux pipis laissés aux quatre coins de la capitale, dans des endroits non prévus à cet effet, c'est-à-dire partout sauf dans les toilettes. En même temps, j'ai envie de dire, est-ce que les gens, ils ont besoin d'un clip vidéo pour leur dire où ils doivent aller faire pipi? Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est un petit peu la honte, hein. C'est un petit peu la honte. Moi, j'ai regardé le clip. Enfin, je suis tombé dessus par hasard, hein, parce que ça m'a sauté à la gueule, en fait. Et j'ai vu, il y a plus de 200 000 vues. 200 000 vues. Avec, je sais pas combien de likes, avec, c'est un truc qui apparemment a été diffusé il y a quelques jours. Un grand, grand merci à ceux qui ne font pas pipi, habillés et maquillés de jaune, empoignant des brosses pour WC. Plusieurs comédiens chantent leur grand merci à ceux qui ne font pas pipi dans Paris et évitant de baisser leurs braguettes direct devant les murets tout secs. En même temps, mais j'ai envie de vous dire, mais putain, mais il n'y a pas des choses plus importantes déjà que ça qu'il faut dénoncer. Je sais pas, on nous prend vraiment pour des abrutis. Alors j'ai envie de dire, hein, les Parisiens, hein, qui payez vos impôts locaux dans Paris, voilà ce qu'on fait avec votre argent. On fait des clips qui parlent des toilettes. Waouh! Alors je vous dis, on touche le. Quand je dis qu'on touche le fond, on touche le fond, hein. Alors moi, je voulais, moi, je vais pas, j'allais pas faire un live là-dessus parce que il n'y a même pas de débat à avoir sur ces conneries. En fait, c'est un petit peu comme si moi, je faisais une vidéo en disant ça. Ouais, comment ça va les amis, la famille. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'elle est sponsorisée par Canard WC, Ajax, WC, Soupline, Lotus. Mais non, je déconne. Alors, oui, il y a des gens qui sont des gros porcs, mais mettre des milliers, voire des centaines de milliers d'euros pour un clip de merde, pour parler de merde. Je sais pas, il n'y a pas des trucs plus urgents à faire que ça. Donc voilà, on sait où passe notre argent. C'est pas en faisant un clip sur les pipis dans Paris que ça va rendre la ville propre. Mais vous êtes fous ou quoi? Et moi, franchement, ça me fait mal au cœur de voir ça. Ça me fait mal au cœur de voir ça. Je me dis qu'on est descendu bien bas. Voilà, sur ce, bah voilà, fallait juste que j'en parle, que je dise mon point de vue. Voilà, même si je sais que ces gens, c'est ce genre de truc, faut pas leur donner d'importance. Mais moi, ça me met hors de moi, en fait.
Parce qu'il y a des choses, il y a des choses bien plus graves que ça qui se passent. Parce que si on veut faire un clip, en fait, on peut faire un clip sur la mer, enfin, sur la merde, hein. Il y a nos politiques, hein, qui eux sont des merdes et qu'il faut nettoyer, hein, qu'il faut les nettoyer au Karcher. Donc, non, s'il vous plaît. Et là, tu mets une image, voilà. Tu mets une image, ça parle d'elle-même, en fait. L'image parle d'elle-même. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Portez-vous bien.